Bonsoir mes champions, bonsoir les amis, bonsoir mes chers abonnés, comment vous allez? Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va couper ensemble combinaison jumpasuit. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer les lignes, ok? Donc, c'est ça, je suis en train de marquer ligne de hanche et ligne de crotch line ou ligne de montant. Mais mon ligne de montant pour moi, c'est 11 et demi, mais comme c'est combinaison, je l'ai fait 12. Donc, le tour de ma hanche, c'est 40. Donc, si tu as la même mesure que moi, tu peux utiliser la même méthode que je suis en train de faire ici. OK? Donc, maintenant, avant de tracer ligne de cuisse, donc j'ai mesuré sur la ligne de crotch line et j'ai descendu 2,5 inches. Donc, tu peux faire ça 3, tu peux faire ça 2. Ça dépend de la hanche ou de la forme de ta cliente, ok? Donc après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le tour de ma hanche divisé par 4 et je vais marquer. Donc moi, je l'ai fait tour de ma hanche divisé par 4 plus demi ou bien plus 1, ça dépend. Tu peux faire plus 1 ou plus demi inch, ok? Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Sur la ligne de crotch line, j'ai mesuré 2,5. J'ai sorti. Sur la ligne là, j'ai sorti. Vous voyez ce que je suis en train de faire. Donc, j'ai sorti comme ça 2,5. Donc, tu peux faire ça 3. Tu peux faire ça 4. Ça dépend. Si la hanche, c'est plus... Ici, là, je suis en train d'utiliser hanche 40. OK? Donc, si pour toi est 45, tu peux augmenter. Donc, j'ai sorti là-bas 1,5 inch. Et j'ai tracé comme ça. Vous voyez, non. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire, ok? Donc, maintenant, je suis en train de retracer les lignes là bien pour que vous voyez ça bien, ok? Donc, abonnez-vous et partagez mes vidéos, likez, commentez. Dites à vos amis de venir s'abonner ici. Ici, on est là pour apprendre la couture, ok? Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je prends le tour de ma taille divisé par 4. Le tour de ma taille divisé par 4 plus les pinces, ok? Donc plus les pinces et plus aussi couture. Donc vous-même, vous savez, sur pantalon là, tu ne peux pas laisser beaucoup de couture, juste demi ou bien 1 inch, c'est bon. Ok, donc maintenant, qu'est-ce que je fais là-bas? Le tour de cuisse divisé par 2, j'ai marqué sur la ligne de cuisse, ok? Donc, je suis en train de tracer, vous voyez, non? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher le milieu pour les pinces. Vous voyez, non? Je cherche le milieu pour les pinces. Donc, les trois lignes, je vais vous dire encore, les trois lignes que j'ai tracées, ligne de hanche, ligne crotch line, ligne de tour de cuisse, ok? Sur la ligne de crotch line, tu vas descendre 2 ou bien 2,5 ou bien 3, ça dépend de... Ok, vous voyez, c'est ça, je suis en train de tracer. Donc, vous voyez, non, c'est trois lignes là. Maintenant, j'ai placé pince. Pince là, moi, je l'ai fait longueur là, j'ai fait ça 6,5 inch. Tu peux faire ça 6, tu peux faire ça 5, ça dépend de chacun, ok? Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on va faire après? Sur la crotch line, on va chercher milieu. Pour trouver le milieu de notre pantalon, pour tracer une ligne droite. C'est ça que je suis en train de faire, ok? Donc, vous voyez, pour couper combinaison là, aussi, c'est pas compliqué. Tu peux le faire. Et c'est ça, ok? Essaye ça. La couture, c'est comme jeu, hein? Si tu ne fais pas bien, il ne faut pas être découragé. Il faut faire ça. En faisant ça chaque temps, tu vas le faire bien, ok? Donc, vous voyez, si c'est... palace que je veux couper maintenant, j'ai pas besoin de tour de range, de retour de genou. Je vais tracer en même temps. Je mesure le bas et je trace. Mais ça, c'est pas palace, mais je veux pas que ça me serve aussi. Donc, le tour de genou là, c'est pas serré. J'ai le tour de genou là-bas, c'est 18 divisé par 2. Ok, donc si tu divises par 2, dans les 9 là, tu vas les séparer aussi 4,5 inch. Et tu vas tracer. Vous voyez, non? Donc, essayez ça. Essayez et regardez ce que je suis en train de faire et faites-le aussi. Ok,
Donc, vous voyez, presque le devant est terminé. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Normalement, si je devais placer la poche, c'est là-bas. Je vais placer, mais sur cette modèle, on n'a pas besoin de placer poche. Donc, il n'y a pas poche sur ça. C'est à cause de ça. Mais dans une autre vidéo, on va faire pour les poches. Maintenant, on va marquer là-bas les pinces. OK, on va marquer là-bas. Je vais vous dire quelque chose aussi. Si vous coûte pantalon, maintenant, regardez là-bas, j'ai descendu demi et j'ai tracé. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper. Vous voyez, non? Je vais vous dire quelque chose. Si vous voulez coup de pantalon pour vos clients ou vous-même, il faut toujours doubler au niveau de genou. Il faut doubler de haut vers genou parce que ça déchire. Ok? Ça déchire, pardon. Il faut faire ça. Si c'est tissu, mais si c'est panne, moi je vous conseille de doubler. Ça dépend des tissus aussi que tu vas doubler ou tu ne vas pas doubler. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper le derrière, ok? Donc vous voyez, avant j'aime pas même enlever longueur, donc je vais pas couper parce que après je vais coller ça. Donc la longueur de pantalon même que j'ai fait là bas c'est 43 et après je vais compléter avec le haut comme ces combinaisons là, ok? Donc maintenant qu'est ce que je vais faire? Je vais augmenter panne là bas avant de couper le derrière. Ok, donc je vais vous dire aussi, avant de coller le haut sur pantalon, tu dois placer une bande de 2 cm ou bien 2,5 ou bien 1,5 inch. Ok, il faut faire ça toujours. Si tu veux placer pantalon et l'habit milieu là, il faut toujours placer bande. Ok, donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va couper le derrière. Donc je suis en train de arranger bien la panne pour couper le derrière. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pour couper le derrière aussi, c'est très simple. Il faut juste voir ce que je suis en train de faire et ce que je vais te dire de faire. C'est ça, c'est ce que tu vas faire. Maintenant, tu vois sur la ligne, là où on a cherché le milieu pour couper notre pince, on va mesurer, voir ce que je suis en train de faire. Combien on a trouvé là-bas? On va diviser ça par 2. On va diviser ça par 2 et on va marquer là-bas. Vous voyez ce que je suis en train de faire? Fais-le comme ça, vous allez voir. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on va faire? Sur la ligne de montant, croche line là, on va sortir 2,5 ou bien 2 ou bien 3. Ça dépend de chacun, de la mesure de sa hanche. Donc, moi, j'ai sorti 2,5. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire après? Regardez ce que je suis en train de faire. Donc j'ai déjà sorti là-bas 2 et je vais retracer une ligne droite là-bas. Vous voyez, non? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore sortir là-bas 2, là-bas aussi 2, et je vais tracer une à base de ligne là que j'ai laissé. Vous voyez ce que je suis en train de faire? Je vais tracer pour joindre là bas parce que je veux pas que ça soit droit aussi, mais je veux pas que ça soit creusé beaucoup trop. Je veux pas que ça là bas creuse beaucoup. Non, je ne veux pas. Donc vous voyez, j'ai déjà tracé. Maintenant, qu'est ce que je vais faire? 2,5 que j'ai laissé là bas j'ai encore mesurer le haut là, le 2,5 que j'ai laissé au niveau de croche line là, j'ai encore marqué ça au dessus de devant, parce que vous savez que derrière sera plus long plus que le devant, non? Mais ici là, ça ne se voit pas bien, mais j'ai encore sorti 2,5 et j'ai tracé pour joindre. Ok, vous voyez maintenant les deux là. Vous voyez qu'on a rentré 2, non? Donc, les deux, l'espace qu'on avait laissé là-bas pour rentrer là, on va rembourser ça au niveau ici. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de faire, non? Il faut regarder ce que je suis en train de faire, tu vas comprendre. Parce que quand je trace la ligne de derrière là, je n'aime pas tracer au niveau là où se trouve le devant, non? C'est quand j'ai penché comme ça. Donc, le reste qui restait là-bas, là, j'ai complété ça ici.
Donc maintenant, j'ai encore ressorti 2,5 et j'ai tracé. Désolée, ça ne voit pas, ça ne se voit pas bien, désolée. Mais comprenez ce que je suis en train de faire. J'ai sorti 2,5 de haut. Oh Dieu merci. Vous voyez non. C'est à cause de ça que j'ai complété la panne. Vous voyez non. C'est à cause de ça que j'ai complété la panne. Donc ce que j'ai laissé là, si je place le devant maintenant, vous allez voir qu'il y a différence entre le devant et le derrière. Donc ce qui restait ici pour compléter le derrière là, je l'ai remboursé au bord comme ça. Donc après j'ai cherché le milieu et j'ai placé les pinces. Les pinces de derrière, longueur que j'ai fait là-bas, c'est 7,5 inches. Devant 6,5 ou bien 6 inches. Donc vous voyez non. Maintenant, si tu veux faire ça, il faut voir, il faut regarder ce que j'ai fait. Et toi aussi tu vas le faire. Vous voyez non. Si je place ça, vous voyez que il y a différence entre le derrière et le devant. Donc si tu veux faire ça, regarde bien ce que je suis en train de faire. Et toi aussi, tu vas reproduire la même chose. Donc là-bas, je suis en train de mesurer 2 jusqu'en bas. Mais en bas, je l'ai fait 1,5. Je l'ai fait 1,5. Donc si tu veux faire ça, pardon, prends ton temps. Regarde bien ce que je suis en train de faire. Et toi aussi, fais la même chose. Si tu es de la même mesure que moi, donc tu peux utiliser cette méthode. C'est très facile, ok? C'est très facile. Maintenant, on va couper le derrière. Donc, notre pantalon est prêt. Maintenant, qu'est-ce qu'on va couper après? On va couper le haut pour compléter. Normalement, j'avais oublié. Normalement, je devais laisser un peu au niveau de derrière pour couper le... pour placer fermeture. Mais pas grave. Comme je vais placer, comme c'est fermeture cachée, donc si j'ai trop petite couture là, ça va aller. Mais ça... si toi tu veux faire, il faut augmenter là-bas 1 ou bien 1,5 pour la fermeture. Maintenant, on va couper le haut. Donc, j'ai déjà mes lignes là. Vous connaissez ça, non? Sur la page, il y a ça. J'explique. Mais aujourd'hui là, je ne vais pas expliquer. Donc, j'ai déjà mes lignes. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les pinces. Donc, vous voyez ce que j'ai fait. Vous connaissez ça depuis. Non? Si tu es sur ma page, tu dois connaître ça. Mais si tu es nouveau, pas grave. Va sur la page, cherche, tu vas trouver. Abonnez-vous. Ici, on est là pour apprendre. Ok? Donc, bienvenue encore sur ma chaîne. Si tu es nouveau, bienvenue. Les lignes là, je dis ça chaque jour ici. Ligne de pince, ligne de poitrine. Premièrement, ligne de chest line, ligne de poitrine, ligne de pince, ligne de sous-poitrine ou ligne de bassin. Et là, on va s'arrêter notre haut, ligne de taille aussi. Donc, vous voyez, non, je dis ça chaque fois dans toutes mes vidéos. Si je veux faire cette coupe, je donne les noms là, ok? Donc, vous voyez, on a presque terminé. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les mesures et on va rembourser les pinces. Ah, mes amis, vous voyez que ce n'est pas facile. La couture, c'est doux. Mais si tu es débutant, tu vas voir que c'est compliqué. Mais ce n'est pas compliqué. Moi, je suis... dans la couture maintenant, ça fait un peu, ça fait un bail, je suis dedans depuis. Donc, j'ai placé le devant sur le derrière et je vais coller, après je vais couper, ok? Ah, donc, vous voyez, je suis en train de couper ça. Si tu veux couper ça, pardon, il faut faire ça doucement, il faut faire ça doucement, ok? Donc, c'est ça, je suis en train de couper, vous voyez? Ça, c'est derrière et ça, c'est devant. Donc, maintenant, je vais coller ça pour couper. Parce que c'est ce que je suis en train de faire, c'est comme Milena, mais c'est pas Milena. Mais à la fin, tu vas voir ça. Tu vas voir. Donc, vous voyez, j'ai replacé tout comme... c'est comme j'ai déjà cousu l'habit, mais j'ai replacé. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mesurer de l'épaule vers le bas 5. Ok? Et je vais marquer. Je vais tracer. Regardez comment je trace. Donc, je vais tracer de le cou vers le bas comme ça. Vous voyez, non? Donc, vous voyez comment
J'ai tracé, non. Et je vais couper. Donc, je coupe de devant et je coupe derrière aussi. Donc, Abby est prêt. Maintenant, je vais aller couper tout ça là sur ma pagne. Je vais couper du bleu aussi. Je vais mes visseline. Je vais coudre l'habit. Mais maintenant, moi, chez moi ici, je n'aime pas de visseline. Ce que j'avais là, c'est très fait. Mais j'avais commandé, mais ce n'est pas encore venu. Mais si toi, tu as ça, il faut utiliser une visseline qui est dure là. Donc, ça fait bien. Donc, vous voyez la bande que je suis en train de vous dire. C'est ça que j'ai placé sur pantalon là. Vous voyez la bande. Vous voyez ce que j'avais fait ici. L'habit est presque terminé. Donc, je vais aller placer le pantalon sur le haut. Donc, c'est à cause de ça que je vous ai dit. Avant de placer ça, il faut toujours placer bande là. Soit 1,5 ou 2 ou 2 inches. Ok? Non, je l'ai déjà placé, vous voyez, non. J'ai presque terminé. Donc, c'est notre design, ça. Donc, vous voyez, ça, j'avais coupé ça, mais j'ai oublié de vous montrer ça. Donc, la longueur que j'ai pris là-bas pour couper design, là, c'est la longueur de pagne. La longueur de la pagne même. Mais l'écartement, c'est comme quand j'ai plié ça, c'est comme 25 ou bien 28, comme quelque chose comme ça. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai collé le bas de mon pantalon aussi. J'ai collé. Je vous ai dit que je vais coller, non. Donc, j'ai collé. Donc, vous voyez, j'ai changé la marche. Quand j'ai placé le tissu, là, j'ai vu que... Je me suis dit que c'est pas joli. Et donc, comme il restait pas là, et j'ai placé ça. Donc, vous voyez comment c'est joli. Regardez le design là que j'ai fait là-bas. Et j'ai porté ça. Et je me suis dit de vous dire, quand je vais faire l'habit maintenant, je vais, si c'est pour moi, mais je vais porter. Donc, quand j'ai porter ça là, ça m'a un peu serré au niveau de taille là-bas, là où ma main là, ça m'a serré là-bas et j'ai desserré. Donc je suis libre dedans, combinaison là me va bien. Ah, je vais encore coudre ça, hein. J'ai trop aimé. Merci, abonnez-vous et partagez mes vidéos, likez et à la prochaine vidéo. Bisous, bim, prenez soin de vous.